tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo des coloriages terminés. Donc celle-ci, elle est pour le mois de novembre. Alors comme d'habitude, je vais commencer par vous présenter mes coloriages et après viendra par la suite les votes. Et comme d'habitude, j'en ai reçu pas mal et j'ai de belles réalisations et je remercie tout le monde. Alors, le bilan de mon mois. J'ai pas mal colorié, je pensais pas avoir fait autant. En hors mystère, j'en ai fait 10. Sachant que 1 était 3 quarts terminé en novembre. Mais voilà. Et j'ai fait 9 mystères. Du coup, je vais ouvrir une parenthèse à propos de mes enveloppes que je vous ai parlé. Là, j'attaque ma deuxième semaine de décembre. Vous allez me dire, c'est début décembre, t'es déjà à ta deuxième semaine. Oui, mais moi, comme je suis payée à la fin du mois, je commence le mois un peu sur le mois précédent. Et cette semaine, j'ai constaté que, je sais pas pourquoi, les commerçants, ils ont du mal quand ils doivent me rendre la monnaie. S'ils me rendent 8 euros, 6 euros... Ils préfèrent me donner des pièces, 2 euros, 1 euro, et pas beaucoup de billets. J'ai pas pris, j'ai pas eu de billets cette semaine, mais j'ai eu beaucoup de pièces de 2 euros. Donc je me suis dit, pour booster mon défi, les défis, 5 euros, je voulais m'en servir pour acheter les Pablo. Mais je me suis dit, pour pas que ça traîne trop non plus, alors je suis prêt à attendre un an, mais je vais pas attendre 2 ans non plus, je me suis dit, je vais me faire un petit défi récompense. Ça se fait, j'ai regardé des chaînes où ils font des défis. Ah, il y en a qui font du défi sport et tout, mais moi je fais pas de sport. Mais je fais du loisir créatif et notamment du coloriage. Donc je me dis, alors je vais le mettre en place pour janvier, parce que pour décembre avec les fêtes c'est un peu compliqué. Chaque fois que je finis un coloriage hors mystère, il faudra que je mette dans une enveloppe 2 euros. Et coloriage mystère 1 euro. C'est-à-dire, par exemple, ce mois-ci, j'ai fait 10 coloriages hors mystère, ça aurait fait 20 euros. Et 9 mystères, ça aurait fait 9 euros. Donc ça fait 29 euros. 29 euros que pour les coloriages du mois de novembre. Ces 29 euros, j'aurais dû les mettre durant tout le mois de décembre et tout, sur une enveloppe épargne en décembre. Sur les économies que je ferai au cours du mois de décembre, je mettrai 29 euros. Mais je ne vais pas le faire sur le mois de décembre parce que avec Noël, c'est un peu compliqué. Je vais le faire pour janvier. Donc au mois, fin décembre, je regarderai le nombre de colos que j'ai fait et le nombre de colos réalisés, je mettrai. Ça correspondra à une somme que je devrais mettre de côté dans une enveloppe coloriage que je mettrai au mois de janvier. J'aurai tout le mois de janvier pour le mettre. Après, c'est pas impossible. Quand j'ai vu le mois dernier dans mes économies, j'ai fait pas loin de 150 euros d'économies avec mes enveloppes. Sur les trucs que j'ai pas dépensés, sur les enveloppes que j'avais mis, de trucs. Donc, je me suis dit, je peux prendre... quand je fais des économies, je peux prendre 20. Alors, en général, moi, je tourne à 9... aux entours de 9 coloriages, 9-10 hors mystère par mois. Et le mystère, ça varie. Voilà. Voilà pour la petite part. Et du coup, je pense que ça pourra booster, ça pourra me servir et pour mes Pablo. Puis, si je veux faire d'autres achats... Et voilà, comme ça, j'aurai une petite enveloppe colo où j'aurai mis des épargnes. Maintenant, on va revenir au coloriage terminé. Alors, je vais vous montrer déjà dans le Nightfall, que 1 qui est au mois de novembre, mais j'aurais pu le mettre au mois d'octobre. Surtout que j'ai tardé à la sortir celle d'octobre, j'aurais pu. C'est celle-là, voilà. Donc là, j'ai fait la douche. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce qu'il n'y a pas de super lumière. Alors, attendez. Là, je suis dans mon bureau exceptionnellement. Je me gèle. Mais voilà. Je me mets comme ça. Alors, pourquoi cette page? Je crois qu'au 1er novembre, j'avais pratiquement tout fini. Il me restait 2 ou 3 finitions sur une feuille ou sur une fleur. Et... il me restait juste à faire des finitions sur le fond, sachant que le fond était noir. Je crois qu'il me restait 1 ou 2 papillons à faire. Voilà.
Donc j'aurais pu, je me suis dit, mi le 1er novembre ou 2, j'aurais fait, et voilà, j'aurais pu rentrer, puis je vous aurais rien dit, je vous l'aurais présenté en colo d'octobre. Mais il a été fini en novembre. Donc je vous ai pas dit avec quoi je les ai fait. Alors les deux pages, hein, parce que finalement je me suis lancée dans un. Oui, parce que je crois que c'est au mois d'octobre, j'en avais marre des coloriages d'Halloween, automne et tout. Moi j'aime bien faire les petites fleurs, je voulais retourner à mes trucs plus printaniers. Donc j'ai sorti un Mariatroll. J'aurais pu sortir le Botanicum, mais je me suis dit on va changer, on va prendre une Alfol. Et du coup, j'ai commencé à celui-là. Celui-là, je l'ai fait très rapidement, je l'ai fait en 2 soirées. Alors je me suis dit, bon, je vais faire le soir d'à côté, c'est un petit colo, donc autant faire la double page. Du coup, les deux pages, je les ai fait au polychromos. Je crois que j'ai mis des luminances pour les fleurs bleues. Voilà. Et puis, j'ai pas mis beaucoup de paillettes. Non, j'ai pas mis de paillettes. J'ai mis du stylo gel. Et le fond de Posca, j'ai mis des petits points de Posca blanc et tout. Et voilà. Voilà. Donc, ça faisait longtemps que je suis pas allée. Ça m'a été l'occasion d'y aller. Après, on va attaquer coloriage de Noël. Voilà. Alors, c'est dans le Noël féerique de Johanna Basford. C'est la période pour y aller. Alors, j'ai fait une double page, mais c'est pas. J'ai fait en double page, mais à l'origine, je crois pas que ce soit une double page. Voilà, alors, j'ai fait. Alors, j'ai pas mal pris mes luminances ce mois-ci. J'avais tendance à les oublier. Alors, j'ai fait une luminance, essentiellement. Je crois pas que j'ai mis du polychromos. Non. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Si je zoome un peu. Voilà. Luminance. Après, on va. Vous voyez bien. Alors, luminance. Après, j'ai un peu contouré les éléments, ce que j'ai pu avec du Posca. Après, pas tous. Après, j'ai mis pas mal de stylo gel hybride ou les petites chaînes. Là, j'ai fait, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai pris du stylo gel hybride. Voilà, là aussi. Et le fond, j'ai fait avec les dupes de Gelatos, les Crash Faden, les trucs de ce genre. Voilà. Voilà. Donc là, je vais y retourner pour le mois de décembre. Après, Fairy Miracle. Hop, j'ai fait un colo de Noël. Alors, vous l'avez vu dans mes vlogs ou dans mes tailles, mes color and chat. Voilà. Alors, pareil, là, j'ai fait. J'ai pas fait la page de 4T, il faudra que je la fasse. Je verrai. Alors, j'ai fait. Alors là, j'ai mis des luminances et les polychromos. Et l'Albrecht Dürer. Albrecht Dürer, j'ai fait nos fonds, là, une base là, au Albrecht Dürer, là aussi. Après que j'ai ombré. Tout ce qui est bois, tout ça, au polychromos. La neige aussi, j'ai mis un petit bleu. Après, ben, les fleurs, les feuilles au polychromos. Et le reste, les baies rouges, les petits chapeaux rouges du bonhomme de neige, le cupcake, les cadeaux aux luminances. Je sais pas si. Et par contre, j'ai mis. Je sais pas si vous allez voir. J'ai mis plein de paillettes. Alors, si je me mets un peu de lumière. Un temps pourri aujourd'hui. Pleut. À mon avis, la neige n'est pas bien loin de chez moi. Regardez, si on voit un peu que ça brille. Hein. Voilà, je me dis, on va mettre des paillettes. Ah, peut-être là, vous voyez mieux. Peut-être là, plus de lumière. Ah oui. Voilà. Après, alors. Je vais vous montrer. Alors, celui-là, est-ce qu'il va rentrer? Celui-là. Est-ce qu'il rentre? Vous voyez tout. Les vitraux. Alors, moi, j'ai la version espagnole. Hein, c'est Vitrales. Voilà, j'ai fait. C'était pour essayer mes intents que j'ai reçus. Et j'avais vu dans des vidéos que les vitraux c'était pas mal, et notamment pour s'entraîner, et que le papier est pas mal. Alors voilà. Donc c'est tout en intents, sauf la peau, la partie peau, on va dire, des petites souris, de Mickey et Minnie. J'ai fait ça avec des polychromos parce qu'il n'y a pas de couleur peau dans les intents.
peut-être un peu dommage. Voilà, je sais pas si vous voyez. Alors après, c'est tout simple. J'ai pas mis de paillettes, j'ai pas mis. Là, c'était vraiment pour tester mes intents. Donc voilà. Pareil, là, du coup, j'ai mis 2 soirées. Très très vite. Hein. C'est que les intents, ça aide bien. Allez. Après mon season, alors j'en ai fait 4. J'ai voulu essayer d'en faire 6, mais ça n'a pas marché. Parce que, alors attendez, j'ai déjà vous montrer ce que j'ai fait. Ces 2 pages. Alors, j'ai pas fait, j'ai fait en même temps, mais j'ai pas fait en double page. Alors là, ça fait un reflet. Voilà. Je l'ai fait en même temps, mais j'ai pas fait en double page parce que non. Non. Alors, comment, avec quoi j'ai fait, hein? C'est la page 64. Alors, j'avais pas encore mes intents. Donc là, j'ai fait polychromos. J'avais pas pris trop mes luminances. L'ensemble des éléments au polychromos. J'ai fait là une base avec les Albrecht Dürer, que j'ai un peu ombré. À des endroits, j'ai contouré. Alors, je sais pas. Là, je sais pas ce que c'est, ça va être des petites murs, hein. Là, bah après, voilà. Après, je suis contente de mon effet poil pour le lapin. La souris, oui, aussi, elle est pas trop moche. Mais je préfère le lapin. Après, j'ai mis, là, je sais pas, j'ai mis des paillettes là. J'ai mis des paillettes là. Et après, vous voyez, ça brille. Alors, le fond, je l'ai fait au no color. Et vous voyez, ça brille parce que j'ai mis les gels paillettes stickers. Voilà. Après, alors là, c'est vraiment typique page d'automne et thème automne avec champignons, glands, feuilles. Alors, j'ai fait vraiment couleur d'automne. Alors, pareil, comme d'habitude, polychromos essentiellement. Et là, j'ai fait avec les feutres glitter. Que j'ai acheté chez Action, que je vous avais montré, mais je ne les ai pas sous la main. Et ils sont un peu métalliques. Donc là, le noir, là, je l'ai fait. Ça, on ne voit pas que c'est métallique. Ça fait un peu un effet métallique. Je ne voulais pas me prendre la tête. Là, je l'ai fait en mode. On fait ça rapide. J'ai mis un peu des paillettes là. Et après, le fond, je l'ai fait au dupe de gelatos. Et pareil, j'ai mis là les gels. Alors là, j'ai mis gel stickles paillettes argentées. Et là, j'ai mis le doré. Et dedans, vous voyez les petites étoiles. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Après, j'ai fait la dernière page d'automne. Là, et la première page d'hiver. Pareil, couleur d'automne, mais après, j'ai mis un peu en fond bleu. Parce que c'est pas parce que c'est l'automne que parfois on n'a pas de. Le soleil, ouais, bon, nous ça fait une semaine qu'il pleut, mais on arrive à avoir des belles journées de ciel bleu à l'automne ou à l'hiver. Voilà. En général, quand l'hiver on a un grand ciel bleu, ça veut dire qu'il fait froid. Alors, parenthèse. Alors là, j'ai fait essentiellement aux luminances. Oui. Sauf. Alors, j'ai fait aux luminances la feuille, le sort de petite plume. Là, le visage, la première fois que je faisais le visage avec les luminances, j'ai fait la feuille là. Alors après, les cheveux, j'ai fait au polychromos. Et j'ai passé les traits, je sais pas si vous voyez, avec les stylos gel dorés de ce style. Voilà. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez un peu que ça brille. Et après, hop, je dézoome. Et le vêtement, j'ai fait aux itens. Voilà, itens, et après que j'ai un peu ombré. Je me suis dit, on va essayer. Je voulais voir comment ça passait sur le papier mousse. Et puis ça passe pas trop mal. Voilà, parce qu'avant, je l'avais essayé sur le vitraux. Alors, je me suis dit, c'est en même à la fois une grande zone, mais sans être une trop grande zone. Voilà. Je sais pas si vous me comprenez. Après, la dernière page, alors là, il faut que je fixe. Parce que je fais passer le sec ou pas? J'ai un doute. Je vais passer le sec, non, il va falloir que je le fixe les deux, la fois que je fixe les 2 pages. Alors,
pas si vous voyez. Alors, au départ, je voulais faire la page avec des couleurs hiver, c'est-à-dire entre le bleu et le gris. Après, j'ai vu il y a quand même une bougie, donc les bougies, c'est de la lumière, en plus elle allumait. Donc, il fallait mettre du jaune ou orange. Alors, je me suis dit, on va laisser tomber le bleu et le gris. Et je vais passer sur du bleu et du orange parce que je sais que. Bon, après, il y a un peu du jaune. Je sais que c'est des couleurs qui vont bien ensemble. Voilà. Bon, en même temps, ça fait peut-être un peu plus gai. Alors là, j'ai fait essentiellement polychromos. Je sais pas si j'ai pas mis d'illuminance quand même. Si j'ai mis d'illumine. Attendez. Oui, j'ai mis de l'illuminance. Il me semble que tout ce qui est l'orange, tout ça, j'ai mis de l'illuminance. Non, mais non, non, même au contraire, j'ai tout fait en luminance. Il n'y a que là que j'ai fait au polychromos. Voilà, j'ai tout fait au polychromos. Là, je vous dis, ce mois-ci, je me suis beaucoup plus servi de mes luminances. C'est pas plus mal. Et puis, le fond au pastel sec. Voilà. Alors, attendez, oui. Quand je vous disais, celui-là, je l'ai commencé dimanche dernier. Dimanche dernier, on est encore en fin du mois. Avec les items. Là, pour le moment, j'ai que fait des items. Il faut que j'en aquarelle encore. Et je m'étais dit, avec les items, ça va aller vite et tout. Et après, j'ai commencé dimanche à l'après-midi. Hein. J'ai pas commencé le matin. Non, au milieu d'après-midi, je me suis dit, voilà et tout. Avec les items, ça va aller vite. Et je l'aurais fini à la fin du mois. J'aurais fait 6 colos. Ben oui, non, mais non, non, ça marche pas comme ça. Déjà, ben, j'ai commencé de 24 heures, j'ai colorié jusqu'à 18h30. Après, j'avais des trucs à faire et tout ça. Après, le soir, j'ai colorié quoi de 20h à 21h30 parce que j'essaie de ne pas coucher trop tard quand même. Je me lève à 5h30 le lendemain. Après, le lundi soir, j'ai colorié quoi 1h. Donc voilà. Mardi, avec la chorale, j'ai pas beaucoup colorié. Mercredi, j'ai dû peut-être. Il me tentait pas. Je me suis dit non, mais de toute manière, mercredi, j'ai été là, mais ça sert à rien, je n'aurais pas fini pour novembre. Du coup, j'en ai attaqué un autre dans le botanicum, mais il va falloir que je le finisse. Donc, j'étais naïve. Mais après, ça serait bien que je le finisse. Bah, si, je vais le finir au mois de décembre. Voilà, et après, j'aimerais bien arriver sur la partie Noël, en faire 4. Ça m'en fera 6, ça fera pas mal. Déjà, je voulais faire. Je vous montre ces deux-là. Allez, pas très long. Puis je commence à avoir un peu plus de confiance pour les effets poils. Celui-là, et après, je sais pas ce que je pourrais faire. Petite souris. Là, il est pas très beau, je trouve. Je pourrais le faire. Mais. Ça fera encore des effets poils. Ces deux-là. Pour encore faire un chat, ça fait beaucoup. Ou faire un portrait, ou celui-là. Celui-là est typiquement Noël. Ah non, voilà. Je vais faire celui-là et celui-là. Parce que là, ça fait typiquement Noël, là. Parce qu'il y a le renne, c'est quand même le renne, c'est le petit papa Noël. Puis là, ça fait typiquement Noël. Que là, à la limite, je peux le faire passer au mois de janvier, puis ça aussi, c'est hiver, je veux dire. Après, en janvier, je vais encore en faire 4. Ouais, je vais faire ça. Ça fait vraiment Noël avec les cadeaux. Celui-là, c'est fait. Ouais, je vais faire le renne. Dernière, j'en avais vu des très beaux. Je vais voir. Voilà, celui-là. Sur ce, moi. Non! Elle n'est pas finie la vidéo et les mystères. Alors, les mystères. Allez, on fait celui-là. Alors, c'est le sans coloriage mystère inédit, que moi j'appelle tome 3. Parce que moi j'en ai 3 sans coloriage, 3 livres sans coloriage mystère inédit. Mais celui-là, c'est le troisième que j'ai acheté. C'est pour ça que j'appelle le 3. Mais ils n'ont pas de numéro, hein. C'est celui-là où il y a la chouette. Oui, la chouette, on va dire. Alors, j'ai fait. Alors, celui-là. Alors, c'est une sorte. C'est pas très net. C'est une sorte de bestiole. C'est un reptile ou un truc de marin. Je sais pas trop. Là, vous voyez, là, on voit la tête. Là, il y a un œil. Là, il y a le deuxième. Voilà. Après, il y avait tout un camaïeu de verre.
Alors ça se confond un peu, moi j'ai pas. Là, je sais pas si vous voyez, là il y a tout un camaïeu de verre. Donc c'était pas évident de trouver les verres. Donc, mais bon, de loin, alors de près c'est pas flagrant, mais de loin là on devine. Voilà. Après celui-là, alors pareil, là il y avait des couleurs que je n'avais pas. Au feutre et tout, et comme tu as déjà. Du coup, j'ai tenté de faire au crayon de couleur. J'ai fait avec les artésats et les bouts de fenêtre. Sauf le noir, où j'ai gardé le feutre. Alors, moi, je mets noir. J'ai fait avec les Faber Castell Pitt en mine 1,5 et en mine les grosses mines. Un peu marqueur pour le. Là, il y a beaucoup de trucs. Je trouve que c'est le noir qui est le plus noir. Vraiment le noir intense, ça fait pas trop de traces, c'est de l'encre, hein. Et puis même quand on colorie au feutre à côté, ça se mélange pas trop. Je sais pas si je suis claire. Alors, mon avis pour les coloriages, ma première fois que je mais mon coloriage au crayon de couleur, c'est la première fois que je fais mes mystères. Alors, mystère, je vous avoue, au coloriage au crayon de couleur, c'est joli, mais c'est long. Et moi, le but de mystère, je veux pas en faire un. Moi, je fais vraiment ça en mode détente. Donc, même si c'est pas, vous voyez, même là, c'est pas tout à fait nickel. Moi, ça me détend et tout. Et les crayons de couleur, ça me détend beaucoup moins. Voilà, parce qu'il faut passer plusieurs couches. Parce que si on passe une couche, tout ça, et je pense que ça fait beaucoup plus long. Et c'est pas ce que je recherche pendant les mystères. Donc, occasionnellement, et puis même là, vous voyez, là, j'ai fait des couches, mais. Enfin, il aurait fallu encore que j'en passe deux ou trois pour que ce soit plus intense. Mais bon, au bout d'un certain temps, voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Occasionnellement, je ferai peut-être encore au crayon de couleur, mais moi je reste au feutre. Tant pis si ça faisait feutre. Bah, j'ai un petit budget feutre. Bah, voilà. Dans mes budgets coloriage, j'ai crayon de couleur et feutre. Mais voilà. Après, j'ai les Disney tome 4. J'ai fait quoi? J'en ai fait 15, je crois. J'en ai fait qu'un parce que j'en avais fait un le mois dernier. Du coup, j'ai fait celui qui était en face. J'avais fait celui-là. Et là, alors, c'est à des personnages de Coco. Mais je n'ai pas vu le dessin animé. Alors, ceux qui connaissent Coco, ils vont savoir qui c'est. Moi, je ne sais pas. Mais il est dans Coco. Après, c'est sympa à faire. Voilà. J'aime bien. Voilà. Après, un qui avance très 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 bien, c'est le Trompe-l'œil, tome 1. Alors, j'ai fait page 76, là. Alors, ça, c'est dans Robin des Bois. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est dans Robin des Bois. Voilà, après, Mowgli. Livre de la jungle. Oui, quand même que j'en connais quelques personnages. Mowgli. Après. Ah là, je sais plus maintenant quoi. Ah, ça me dit quelque chose. Ah ben, je les connais pas tous, mais il y en a certains que je reconnais. Alors, on va les voir. C'est dans Mulan. Voilà. Après, j'ai fait 83. Alors là, c'est un des méchants du bossu de Notre-Dame. Je pense que c'est un des méchants. Ça, je vous avais vu. Je vous avoue, j'ai regardé un peu avant de qui c'était. Dans quel dessin animé? C'est dans le bossu Notre-Dame. C'est dans le méchant. Je sais comment s'appelle le méchant. Je me rappelle plus du livre ou de la comédie musicale. Dessin animé, je l'ai vu il y a très très longtemps, je l'avais vu en cassette vidéo. J'avais une vingtaine d'années quand je faisais du babysitter. Pour les gamins à l'époque, oui, il y avait le bossu, on avait regardé une soirée le bossu. Alors, après, là, le papa de Bambi. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, le papa de Bambi. Voilà, et puis là, c'est dans Aladdin. Oui, Aladdin. Voilà, c'est méchant aussi d'Aladin, je ne sais plus comment il s'appelle.
Voilà, et alors celui-là, je suis contente parce que, pareil, là, j'en ai fait 1, 2, 3, 5, 6 ce mois-ci. Après, là, c'est les mystères que je priorise parce que là, maintenant, je crois qu'il m'en reste 12. Donc, je pense que d'ici au début de l'année prochaine, je l'aurai fini. Et je vais. J'hésite, j'essaye. Je suis peut-être voir. J'avais vu il y a très longtemps sur des vidéos. Coloriage, très longtemps. Et je crois il y a 2 ans, moi, quand j'ai commencé. Là, c'est la dernière page. Là, les solutions, j'en ai plus besoin. Ah, j'ai fait, c'est la dernière page. Et j'avais vu, j'ai la dernière page, je sais plus qui, faisait en feutre alcool. Si ça traverse, c'est pas grave. Donc je me suis dit, ça peut être sympa d'essayer. Après, j'ai pas les couleurs peau. Apparemment, il a couleur peau en feutre alcool. J'ai pas beaucoup de couleurs peau. Surtout que le trompe-l'œil, c'est pas les princesses, c'est pas comment ça s'appelle, les lunettes, sous Mickey, tout ça. Il n'y a pas beaucoup de petites zones, c'est vraiment des grandes zones, donc ça peut être pas mal. Je vais essayer de voir si je peux en faire une partie au feutre alcool. Voilà pour la première partie de cette vidéo. Là, je vais vous laisser regarder la suite et puis on se retrouve après vos colos. Et à toutes! Pour vous, pareil, pour conclure cette vidéo, en remerciant tout le monde, tous ceux qui ont encore participé à l'élaboration de cette vidéo, avec l'envoi de vos colos, et qui sont tous toujours super beaux, il y a un peu de tous les genres, et c'est ça qui est sympa. Pour le mois prochain, comme d'habitude, vous avez jusqu'au 1er janvier. Alors peut-être pas. Allez, je vais être gentille parce qu'il y a le week-end et tout. Je vais vous donner jusqu'au 2 janvier. 2 janvier pour faire 2 janvier 20h pour vous envoyer vos coloriages. Comme ça vous laisse du temps de récupérer du réveillon. Pour envoyer vos colos à l'adresse mail qui s'affiche dessous. Et du coup, moi, je ferai la vidéo. Soit en courant la semaine, première semaine de janvier, soit le premier week-end. Oui, plus ou moins le premier week-end entier de janvier. Voilà. Sur ce aussi, ceux qui souhaitent, comme il dit, par rapport à ma vidéo précédente, participer à cette vidéo du 1er janvier, vous êtes tous invités à envoyer vos meilleurs coloriages de l'année 2022, ceux que vous pensez qui sont les plus beaux, les plus réussis. C'est possible, ceux que. Ah, ça n'a rien à voir avec les coloriages terminés de décembre, ça serait dommage d'avoir deux fois les mêmes. Si par exemple, vous avez. Ceux qui m'ont déjà envoyé des colos depuis que j'ai mis en place mes vidéos partage,
Ben, peut-être vous avez ceux du premier trimestre que vous m'avez pas envoyé et tout, que vous souhaiterez peut-être partager. Alors là, pareil, vous êtes illimité en nombre. Hein, si vous m'envoyez, voilà, à la limite, voilà. Si pareil, si vous voulez, vous sentez le courage de vous faire une petite vidéo où on juste en partage, bonne année, tout ça, ben, allez-y. Je pense que vous aurez quelques surprises pour cette vidéo parce que j'ai des retours de quelques personnes, qui vont participer. Et du coup, bah, là maintenant, je vais conclure cette vidéo en vous disant, bah, comme d'habitude, mettez un pouce parce que apparemment, déjà, j'ai pas beaucoup de vues, mais le peu de vues que j'ai, ils mettent même pas les, pas tout le monde met des pouces. Ça serait sympa, ça me ferait remonter pour être mieux référencé ma vidéo pour qu'elle soit plus vue. Ben, voilà. Mettez les commentaires, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je ne mange pas, je ne mords pas. Et puis sinon, ben, abonnez-vous et appuyez sur la cloche. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors après, pour le reste du mois de décembre, je vais vous faire essentiellement des vlogs. Voilà. Je pense que ça va être le plus simple pour moi. Et puis je pense que le format vlog, les gens, ils aiment bien. Voilà. À plus et prochaine vidéo et bisous.